내시로 생각합니다. 마제도 빨 살고치 빠. Jin dit qu'il est amoureux de Daisy et qu'il veut vivre dans cette maison si possible. Et qu'est-ce qu'il fera en restant ? Du chanter le balenato en coréen ? Oh papa, si ce type doit rester ici, qu'il se mette avec Oscar. J'ai entendu dire que les Asiatiques sont un peu bizarres, qu'ils ne viennent pas dans ma chambre. Sérieusement Daisy, qu'as-tu donné à ce garçon là-bas pour qu'il ait maintenant l'air d'un veau orphelin ? Mais je n'ai rien fait, je l'ai simplement emmené à un bal sympa, rien de plus. Ce qui se passe, c'est que les gens de l'Est ne sont pas habitués à cette convivialité. Et si t'as été un peu trop chaleureuse, ben... il a du mal l'interpréter. Kirorara, Kayo, Chipayo. Jin dit qu'il veut épouser Daisy, si vous êtes d'accord avec cela. S'il vous plaît, faites-le partir car je ne l'aime pas. Non, attendez monsieur. Voyons les gars, disons-lui les choses avec un peu plus de tact, vous voulez bien? Bon, dites-lui que Daisy a simplement été conviviale avec lui, que c'est normal pour les femmes d'ici et qu'il n'y a rien entre eux. Et dites-lui que vous ne pouvez pas l'installer ici. Ouais. Daisy가 이 집에서 살 수 없대요. Mais la musique est le rhum alors. Comment? Tu es fou? Qui est dans mon lit? Comment ça? Norbert? Qui d'autre à ton avis? Bon, laisse-moi. Peux-tu me dire ce que tu fiches dans mon lit, Norbert? Ah, Yuri, que font les gens dans un lit? Dormir, n'est-ce pas? En passant, dis-moi, pourquoi tu me réveilles comme ça? J'aurais pu faire un AVC. Figure-toi que moi aussi j'aurais pu avoir une crise cardiaque, ne sachant pas que c'était toi. Ma sœurette, il n'y a pas de quoi être surprise. C'est ça. Maintenant, dis-moi une bonne chose, tu veux? Comment tu es entrée? Il y avait cette femme, la dame de ménage. Madame Bertha. J'ai dû passer une heure à la convaincre pour dire que je suis ton frère. Oh, mon Dieu. Et que signifie cette valise, hein? C'est à moi, car je suis venu habiter avec toi. Quoi? Cache ta joie, sœurette, ça se voit. J'ai fait tout ce chemin depuis Jamundi. Tu ne sois pas seule ici et tu me fais cette tête-là. Tu ne peux pas rester. Bon, écoute, je ne suis pas ici pour être sur ton dos. Bah alors pourquoi es-tu ici? C'est juste que je grandis, Yuri. Il n'y a rien à faire là-bas. Et je veux être un nouvel homme. Ah, écoute, tu peux rester ici ce soir. Mais tu dormiras avec ta grosse tête au pied du lit, c'est compris? Pour ne pas me ronfler au visage. Vas-y, bouge! Oui, allez! Ah. Prends celui-là. Bouge pas. Je vais mettre mon pyjama. Un jour, tu vas me rendre folle. Allume le ventilateur. Allô? Oh oui, monsieur Corral, comment ça va? Qui? Jin Tai. Il devrait être à l'hôtel. Il est encore sorti? Non. Une minute. Daisy! Oui, maman? Non, monsieur Corral. Ma fille est bien à la maison. Vous allez devoir le chercher ailleurs. Ce garçon. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui arrive à cette heure-ci? Hé! Mais qu'est-ce que tu fais là, Oscar? Moi qui pensais que tu étais en train de dormir, hein? Regarde-moi la tête que tu as, fiston. Papa, je suis convaincu que j'ai le potentiel pour le taekwondo. J'en suis sûr. Je me suis battu contre Jin.
Oui, je sais que je suis presque à son niveau. C'est qu'une question de temps, de travail et de dévouement. Chaque jour sera une chance pour moi d'être à son niveau. Et souviens-toi d'une chose, tu vas voir que je vais donner à cette famille, cette ville et à cette maison et puis surtout à notre pays. Une très très belle médaille, papa. Souviens-toi-en. Oui, fiston, ne t'inquiète pas. Je vous en fais la promesse. C'est une promesse. Eh oui, grand-mère, j'aime beaucoup Julio, mais... mais je ne peux pas faire ce qu'il dit, me séparer de ma famille. Je ne peux pas faire ce sacrifice. Et encore moins me séparer de la boxe. Parce que les choses commencent à bien marcher pour moi. Bon, allez, on passe à l'autre jambe, d'accord? Ah non, ne fais pas la méchante. Bon, dégourdis-les. Arrête de te plaindre, grand-mère, s'il te plaît. Et sois raisonnable avec les exercices, car quand tu iras mieux, on ira chercher des mangues. C'est d'accord? Oh, grand-mère, tu me manques trop. Et ça me manque que tu me répondes à tout, que tu me parles de toutes tes petites affaires. Tu es ma meilleure amie, tu sais. Je t'aime beaucoup. Coucou, c'est moi. Mais quelle heure est-il? Oh, mais maman, on t'avait donné la permission de 10 heures. T'as vu l'heure? Ah, j'ai oublié. Donc maintenant, j'ai deux mamans. Dieu merci, elle est fatiguée avec la thérapie, sinon elle se serait levée pour te corriger. Mais vu la tête que tu fais, je suppose que c'était bien. Effectivement, ça s'est très bien passé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé une bonne soirée. Tu vas me le dire maintenant? Mais d'où est-ce que tu le connais? Dis-moi où tu l'as rencontré. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Respecte-moi, d'accord? Je te demande où vous vous êtes rencontrés. Bah par là. C'est une surprise que la vie m'a faite. Tu entends ça, grand-mère? À tout moment, cette dame peut se marier et nous laisser là. Souffle-moi dans l'œil. Allez, maman, vas-y. J'aurais pu le perdre, hein? Tu as bu avec cet homme? De schnapps et c'est tout. Il n'y a rien de mal. Si tu le dis, maman. Non, je te charrie, il n'y a rien de mal à ça. Je suis contente que tu profites de ta vie et tant que tu ne te réveilles pas demain dans un mauvais état, alors tout va bien. T'inquiète, ma chérie, je suis très heureuse. Et je ne veux être une poule mouillée pour personne, tu sais. Vu que tu poses tant de questions, je veux te dire que Johnny est l'homme le plus galant que j'ai rencontré, ma chérie. Mon Dieu, il est 7 heures du matin. Qui vient te déranger tôt comme ça? J'arrive! Bonjour. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Partez. Et où allez-vous? Mademoiselle. Mademoiselle Regina? Qu'y a-t-il? Ce qu'il y a est très clair. Vous avez 20 minutes pour emballer vos affaires et quitter les lieux. Et qui est cette femme aigrie? Bah, je suis la gérante. Et alors, vous croyez quoi? Tais-toi. Mademoiselle, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est mon frère. Norbert, présente-toi, Norbert. Vous avez enfreint le règlement en emmenant ce monsieur. Et vous devez quitter la résidence. Ce n'est pas Yuri qui m'a laissé entrer, mais madame... Non, tu te tais et tu me laisses régler ça. Vous êtes expulsée d'ici et je vais immédiatement rapporter ce cas-là aux autorités de la vallée. Je sais, mademoiselle, mais s'il vous plaît, ne me jetez pas dehors. J'ai besoin de vivre ici. Mais pourquoi tu dois supplier cette vieille femme aigrie, hein? Quoi? Vous vous êtes levée du pied gauche ou quoi? Vous savez qui c'est? Yuri Alvear Orejuela, médaillé d'or. Vous avez 20 minutes, mademoiselle. Oh. Ne pourrais-tu pas la mettre en veilleuse des fois et t'acheter une muselière pour la fermer? Et pourquoi dois-tu te laisser traiter de cette... Mais n'as-tu pas compris qu'elle est la gérante de cette résidence? Mon Dieu! Que vais-je faire? Mademoiselle, pouvez-vous m'accorder une minute? Vous avez 20 minutes. J'ai apporté ma carte et celle de Norbert pour que vous voyez que nous sommes apparentés. Donc vous pouvez voir que nous sommes frères et sœurs, c'est tout. Et? Ça ne change rien. Car ici, les règles sont les mêmes pour vous, pour votre frère et pour le Saint-Pape.
Non, écoutez-moi. Il était tard et je ne pouvais pas le laisser. Vous savez, à cette heure-là, il était trop tard pour que je vous réveille, pour vous demander votre permission. Il s'agit d'une résidence pour les athlètes, et non pas pour les familles. Et de plus, ce n'est pas un hôtel où les gens peuvent arriver à l'heure qu'ils veulent. Je vous promets que ça ne se reproduira pas. Norbert prendra un bus aujourd'hui pour rentrer à Jamundi. Non, je devrais l'envoyer dans une école de bonne manière. Et il m'a fait très mal parler. Personne ne m'a jamais fait ça. Comme si une médaille vous donne le droit de tout faire ici. Mademoiselle, mais non, reprenez vos esprits. Vous êtes expulsée d'ici, car je suis la gérante ici. Et je vais immédiatement rapporter ce cas-là aux autorités de la vallée. Mais que vais-je faire? Ça suffit, Ingrid. Merci, viens. Ah. Merci bien. Alors, comment j'étais? Ah, très bien, tu étais super. Tu prends de la vitesse, tu te débrouilles très bien. Dis-moi une chose. Dites-moi. Comment tu respires en altitude? Pourquoi vous me demandez ça, coach? Ben, parce qu'il y a déjà plusieurs ligues que nous organisons pour faire le championnat national à Bogota. Un championnat national pour les femmes? Bien sûr que oui. Nous allons y aller pas à pas, mais en ouvrant la voie, Ingrid. C'est génial, je suis super heureuse. Bon, dites-moi, quand c'est mon premier combat? Car je suis prête, attends, moi. Attends, une minute. En parlant avec mes collègues de la Ligue, nous estimons qu'il y a plus ou moins 12 concurrents dans la catégorie où tu es. Hein? C'est un tournoi, hein? Et nous parlons là d'un titre national. Merci beaucoup. Mais tu pèses une tonne. Merci vraiment, parce que je me suis beaucoup battue pour ça. Ah, je vous dois beaucoup, vraiment, merci. Sérieusement, tu as vraiment changé. Ne crois pas que j'ai pas remarqué. Ah, hein. Coach, ce qui se passe, c'est que la pression me fait gonfler. C'est normal avec tout ce qui se passe en ce moment pour moi. Et ça te plaît? Viens avec moi, j'ai une surprise pour toi qui va bien te plaire. D'accord, je vous suis, j'arrive, coach. Viens, suis-moi, allez, descends. C'est quoi ces documents, coach? Bon, c'est très simple. C'est ce qu'ils t'ont envoyé pour qu'en tant que professionnel, tu puisses recevoir ton argent. Hmm? Pas beaucoup, mais ça va t'aider. Bon, maintenant que je suis passée professionnelle, essayez un peu de me mettre un coup pour voir, coach. D'accord. Allez, 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 allez-y, allez-y. Ah. Avec vos coups, c'est plus facile. C'est ce que tu dois avoir pour être disciplinée, tout ce soutien. Je vous remercie, coach. Écoutez, maintenant, avec ça, je dois juste étudier, m'entraîner dur et ne rien lâcher. Il le faut. Et ces papiers m'apportent de bonnes nouvelles. Très bien. Ah, remplis-les. Hé, le footballeur, viens me voir. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais, Ingrid? C'est de cette manière que tu vas me saluer? Un bisou. Comment ça s'est passé? À l'école, tout va bien. Qu'est-ce que t'as, Julio? Dis-moi ce que t'allais me dire. Je te connais par cœur, tu ne peux rien me cacher. Non, c'est juste que... je vais devoir partir au nord, c'est confirmé. J'avais pas ça en tête. Bon, ils m'ont déjà dit que je vais... Allez, donne le sac. Je vais devoir aller jusqu'à Buenaventura. Genre, il y a un bateau là-bas qui m'attendra, je vais embarquer sur celui-ci. Ça me permettra de commencer une nouvelle vie. Ils m'ont dit que je devais manger beaucoup car ce sera... un très long voyage. Bon, et toi? Tu as changé d'avis ou pas? Écoute, Julio, je n'ai rien à faire là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire? On ne... on ne va pas se revoir. T'es malade? Non, c'est juste qu'un petit morceau de sueur est monté dans mon nez. Ah, et pourtant tu sais très bien que tu dois porter ton masque. C'est ce que ta mère m'a dit, de faire attention. En parlant de Gabriella, comment va-t-elle? Et comment va son nouvel ami? Eh ben, je vois qu'elle est un peu amoureuse et elle dit que le gars est assez bien. Mais je la crois pas, car je ne le connais pas. Ah. L'autre soir, elle s'est faite belle pour sortir avec lui. Et après un moment, elle est venue chanter le boléro.
C'est la vie, pas vrai? Je présume que maintenant, le pasteur n'est plus si important. Tu serais pas un petit peu jaloux? Comment ça? Moi, jaloux? Non. Je peux aussi sortir danser tout habillé et tout. Et en plus, ta mère est une très jolie femme. C'est une très belle femme. Elle est jolie. Elle a aussi un bon tempérament. C'est sûr. Pourquoi rester seule? Pourquoi? Aïe! Qu'y a-t-il? Non, rien. C'était quoi, je me suis juste sentie un peu bizarre. Mais ça va, c'est rien, t'inquiète bon, pas. Attends une non minute. Attends, non. Attends, mais qu'est-ce que ça pourrait être à ton avis? Je parie que tu manges mal. Ou bien que tu manges tout et n'importe quoi, hein? Je peux pas me relâcher maintenant parce que le championnat national arrive à grands pas. Je dois m'entraîner très dur pour ça. Ah, merci. Et ta mère va t'accompagner là-bas? Ou tu y vas toute seule? On est à Cali, à la résidence des athlètes. L'endroit où vit notre célèbre médaillé d'or, Yuri Alvear Orejuela, la fierté de Jamundi. Et c'est précisément dans cette interview que nous allons connaître un peu les débuts de la carrière... Allez, de... au revoir, vieille sorcière! Vous êtes irrespectueux et très grossier! Oui, et vous êtes une femme aigrie et autoritaire. Et vous savez quoi? Il vous manque un morceau de... Ça suffit, Norbert, arrête! Adieu! Adieu, sorcière, femme aigrie! Oh, monsieur Mazuera? Bonjour, Yuri. Pardon, et qui monsieur. Est-ce? Écoutez, j'ai eu un petit problème à la résidence et je pense qu'on va devoir remettre l'interview à plus tard. Interview? Non, venez. Bon, allumez-la, allez. Hé, hey, toi, lâche-moi. Je suis Norbert Alvear Orejuela et je suis le frère aîné de Yuri. Éteignez votre micro. Tu fais quoi? J'essaie de te filer un coup de main. Pardon. Bon, entrez donc. Merci. Ah, je me sens tellement gênée, professeur. Écoutez, vous ne savez pas à quel point je vous suis reconnaissante de tout ce que vous faites. Mais je vous garantis que dans 2 jours, tout au plus, je résoudrai ce problème et je partirai avec Norbert, hein? Je ne vous chasse pas, n'est-ce pas? Vous avez bon cœur. Il y a une pièce là-bas. Mettez-vous à l'aise. Je dois aller à l'université car j'ai des cours, d'accord? Merci, monsieur. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Je vous laisse. Merci. Merci. Oscar, est-ce que c'est toi? Merci, chérie. Quoi d'autre? Mais c'est quoi, ça? Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ton uniforme est en lambeaux comme ça? On dirait celui d'un mendiant, Oscar. Maman, n'exagère pas, c'est bon. Si je l'avais vu avant, je l'aurais recousu. Mais bon, je t'aurais d'abord tiré les oreilles, fiston. C'est quoi le problème, maman? Ce n'est pas l'uniforme qui va se battre, non? Oui, mais je n'aime pas qu'il te voie comme ça. Un futur médaillé ne peut pas se promener avec cette chose-là. Bon sang, ça sent même mauvais. C'est normal, je viens de là. Va voir qui c'est. Je vais chercher le fil et tout. Voilà celui qu'il nous faut. Suis-moi, ma belle petite lumière. Viens et fais comme chez toi. Attends un peu. Ça roule, Wilson? C'est quoi le problème? Non, c'est une nouvelle fille et elle a besoin de toi pour l'aider avec son vélo. Salut, je suis Luvitella. Moi, c'est Oscar. Enchanté. Luvitella a un vélo endommagé et sans blaguer, j'ai pensé à toi. Je lui ai dit que tu pourrais le réparer sans problème. Oscar, merci pour ton aide. Je pense qu'il a été endommagé lors du déménagement, car jusqu'à la semaine dernière, il fonctionnait. Il lui faut un peu de graisse, c'est tout. Pour le dérailleur. C'est si mauvais? Non, pas du tout. Je peux le réparer. Tu viens d'emménager ici? Oui, hier. Mon papa a acheté une maison. Et depuis combien de temps tu connais Wilson? Un peu avant qu'il m'amène ici. La vérité, c'est qu'il est venu à moi, car... je ne connais personne dans ce quartier. Et je présume que tu n'as pas de frère qui s'y connaît en mécanique? Je suis enfant unique, et mon père ne sait pas comment s'y prendre. Ah! Bon, et dis-moi, c'est quoi cet uniforme? Celui du taekwondo. Ah, donc, tu es un sportif? Je suis le taekwondoïste des Césars. Ah, et tu t'entraînes où? Eh, pardon. Un jus à la mangue pour la nouvelle princesse de notre quartier. Ah, c'est gentil, merci. J'espère que tu aimeras. Je l'ai préparé avec tout l'amour et l'affection du monde pour toi.
Fais attention, t'en mets partout. T'inquiète. Tiens la cuillère et mange toute seule. Maman, devine qui m'a demandé de tes nouvelles. De moi? Qui? Ben, Pasteur. Tu aurais dû voir sa tête quand je lui ai dit que tu sortais avec Monsieur Johnny. C'était marrant. Il est devenu jaloux, le pauvre. Devenu jaloux? Je ne te crois pas. Ben, pourtant, c'est vrai, maman. Écoute, moi, je pense qu'il t'aime beaucoup. Ça se voit. Il se rend compte de ce qu'il a perdu. Il te manque pas, même pas un petit peu, maman? Ben non. Si tu penses me convaincre de me remettre avec lui, tu peux faire une croix dessus. C'est sérieux avec l'autre? Oui, bien sûr. Et en passant, ne prévois rien pour samedi, d'accord? Nous sortons à nouveau. Et tu dois t'occuper de maman. Sois tranquille. Je n'ai plus personne avec qui sortir. Ah non? Et ton petit ami, alors? Ben, vu que Julio part pour les États-Unis, on a préféré se quitter. Mais c'est une très bonne nouvelle, Ingrid. Tu sais que j'ai toujours pensé que c'était quelqu'un de pas bien. Pourquoi est-ce que tu ne manges pas? Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir tout le temps la nausée. Tu es enceinte, ma chérie. Je le sais. Je serais enceinte de qui, grand-mère? Tu me fais rire. Serais-tu vraiment enceinte? Non, maman, c'est pas possible. Ta grand-mère n'a jamais eu tort. Elle a toujours su que j'étais enceinte 3 fois avant que je le sache, tu sais. Tu t'es laissée embobiner par ce type, n'est-ce pas? Le volume. Non, parce que c'est rigolo. Tu agis comme un porc. Tu ne peux pas me voir tranquille, n'est-ce pas, Yuri? Va étudier là-bas, dans la pièce du fond. Pourquoi? Est-ce que je suis chez moi? Ah, vu que le prof n'est pas là, tu peux aller dans sa chambre. Allez, vas-y. Est-ce que tu t'entends, Norbert? Mais tu ne réalises toujours pas que la brute de la famille, c'est toi et pas moi? Idiot. Tu sais, je commence à avoir très faim. Nous devrions commander un truc. Hé, on commande pour mon beau-frère aussi, comme remerciement pour nous avoir accueillis. Je t'ai dit d'arrêter d'appeler le professeur Mazuera beau-frère, parce qu'on ne sort pas ensemble, c'est d'accord? Respecte-moi, s'il te plaît. Ça va, calme-toi, Surette. Garde ta colère pour les compétitions. Arrête, je suis sérieuse. Très bien, j'arrête. Je ne te dérangerai plus. Je baisse le volume un peu. Vas-y, concentre-toi. Mais je l'avoue, tu as bien raison. Cet homme a été très gentil avec nous. Nous devrions le remercier avec un repas, tu ne crois pas? Ce serait bien, non? C'est une bonne idée. Bon, ben, tu vois, et toi, tu ne fais que me gronder tout le temps. Le repas est délicieux, mais c'est dommage que vous ayez dépensé autant. Professeur, ce n'est rien. Ce n'était que des petites choses qu'il fallait, non? Oui, certes, mais vous n'auriez pas dû... Vous devriez économiser au max. Et comment ça? Tout ce qui est dans votre frigo est bon à jeter, vous non, savez. Mais quoi, c'est vrai? Pourquoi vous branchez ce truc? Vous gaspillez de l'électricité. Arrête d'être impertinent. Laissez-le. Je ne garde rien ici et d'ailleurs, je voulais vous inviter à manger dehors. C'est gentil. Mais vous êtes sérieux? Vous n'avez pas besoin de nous inviter à manger parce que vous nous hébergez déjà chez vous, d'accord? Vous faites déjà beaucoup pour nous et c'est amplement suffisant, professeur. D'accord, ce repas fait maison est délicieux. Ben, un de ses nombreux talents, c'est la cuisine. Et elle hérite cela de notre mère. Merci. Oui, et dites-moi, vous avez aimé cela, hein? Ils sont délicieux. N'est-ce pas? Ouais. Celui qui l'épousera gagnera à la loterie. Je n'en ai aucun doute. Regardez. Continuez, regardez-la. Elle est jolie. Une bonne fille, une championne et une bonne amie. Non, hé, ma sœur est vraiment parfaite. Hé, arrête de parler de moi. Bon, monsieur, je voulais savoir si vous aviez encore besoin de l'interview pour votre journal. Quand tu peux, je parlerai au journal pour qu'il me donne un caméraman. Ah, quand vous voulez, monsieur. Mais non, c'est quand tu veux. Ah, eh ben, faisons-le demain, alors. Ouais. Bien. Tu sais que je n'aime pas que tu m'appelles à cette heure. Eh bien, dormir, j'ai un cours demain matin. De quel calibre ?
Oui, j'ai les balles. Et le fer, tout est là. De quel calibre, Fabien? Eh bien, le prix habituel. Bah, ça coûte, ce sont des armes très fiables. Oui, c'est ça. Et alors? Ben, c'est positif. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu ne prenais rien? Comment as-tu pu, Ingrid? Je t'avais prévenu. Tu sais très bien ce que j'ai vécu. Et pourtant, je t'ai tout raconté pour que tu fasses attention. Bon, calme-toi. Je m'en sortirai. Me calmer. On peine à joindre les deux bouts. Et on aura une autre bouche à nourrir. Il faut que tu parles à Rulio. Il doit assumer. Francis de Muñoz, tu ne cuisines pas? Tu fais des miracles en cuisine. On ressent toujours l'amour qu'on y met. Et ça entre par l'estomac. As-tu déjà pensé à retourner travailler dans un restaurant un jour, chérie? Bien sûr, mais en tant que propriétaire, parce que je n'aime pas avoir un patron qui donne des ordres. Ah, tu as raison. Tu as toujours raison. Tu sais quoi? Je vais monter ton restaurant, maman. Tu verras. Si mon petit frère le dit, ce sera le cas. Hé, grosse tête, merci d'avoir réparé le vélo de Lovitella. Tu m'as fait gagner plein de points. Top là. Rêve toujours, hein. Je ne peux vraiment pas me la blairer, celle-là. Elle pense qu'elle est meilleure que nous. Ah bon? Que veux-tu dire? Mais de qui parlez-vous, en fait? Ben, de la nouvelle voisine sur laquelle Wilson a des vues. Je vais la faire tomber amoureuse en suivant ses conseils. Commençons par l'estomac. Maman, est-ce que je pourrais inviter Lovitella à la maison? Ne me mêle pas à tes histoires, je ne vais pas cuisiner. Allez, maman, fais en sorte qu'elle puisse être la mère de ton premier petit-fils, d'accord? Mon Dieu, Wilson! Jamais! Allez, prépare quelque chose de beau, de très spécial dont je t'aiderai à trouver les ingrédients. C'est un miracle. Je suppose qu'il est très amoureux. D'où sortiras-tu l'argent? J'ai une petite tirelire là-bas, pas grand-chose. Invitons Lovitella à déjeuner pour marquer plus de points auprès d'elle. Nous lui dirons qu'elle peut amener ses parents aussi, hein? Oh là là, Wilson! Il est devenu un vrai homme. Il n'a pas mâché ses mots. Toi, tu es un Muñoz. Oh, quel idiot! Hé! Hey. Bon, prenez position. Nous allons boxer. Allez-y! Très bien, à mon signal, vous le ferez tout seul. Et un, plus de force. Deux. Coach. Trois. Ah, hé, hey. Pourquoi tu es là, Carolina? Va, je fais tout ici aussitôt. Hein? Vous allez, coach? Écoute, ça va super, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue vous remettre les documents de la Ligue. Ah, regarde-moi comment cette petite est accomplie. Ouais. Mais tu t'es dérangée alors que je serais venue, hein? T'as apporté le... Mais ce n'est pas signé? Pourquoi ça? C'est quoi le problème? Ben, en fait, j'arrête la boxe. Comment, Ingrid? Bon, je vous remercie. Parce que vous m'avez toujours soutenue et avez été là pour moi et tout, mais vous voyez... Il se trouve que je vais être maman. Comment? La boxe est terminée pour moi. Oh. Écoutez, après réflexion, j'ai décidé d'arrêter la boxe, madame. Il semble que tu n'as pas bien réfléchi. Ingrid, tu peux continuer à étudier, tu sais? Ce ne sera ni le premier ni le dernier cas que nous aurons ici. Non, je ne serai pas à l'aise. Il y aura beaucoup d'étudiants qui voudront me taquiner, se moquer de moi enceinte et en uniforme, non. Oh mais, Ingrid, tu sais comment te faire respecter. Les études vont t'aider à avancer, ma belle.
Oui, j'aime étudier, croyez-moi. Que ce soit dans cette école ou une autre, je serai diplômée. Mais bon, la décision a déjà été prise et pour l'instant, je vais arrêter. Eh bien, j'en suis vraiment désolée. Et la boxe? Bon, pour les études, c'est temporaire. Je peux les reprendre plus tard, mais pour la boxe, je n'ai pas le choix. Il faut que j'abandonne. Hanna! Dul! Hanna! Dul! Hanna! Dul! Monsieur Marco, continuez. Merci. Prêt? Bien. Bien. Championnat de taekwondo à Santa Marta, hein? C'est pour toutes les catégories, monsieur? Pour toutes les catégories de tous les départements du pays, mon grand. Pourquoi? Tu veux y participer? Bien sûr, coach. C'est pas une question à poser, non? C'est tout. Ce qu'il fallait dire. Les dates sont là. Tu peux demander l'autorisation à l'école et aller bien t'entraîner. Non, ce n'est pas le problème, coach. Si j'y vais pour représenter mon département ou l'école, j'aurai sûrement la permission de l'un ou de l'autre. Bon, eh bien, c'est tout. Je pense que c'est très bien parce qu'il y a deux taekwondoïstes contre lesquels je veux bien te voir concourir, Oscar. Ils sont très bons. Salut. Oscar. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je me suis renseignée sur la meilleure académie de taekwondo en ville et ils m'ont envoyé ici. Alors je suis venue pour m'inscrire, oui. Ah, mais je ne savais pas que tu aimais les arts martiaux. La vérité, c'est qu'en ce moment, j'ai beaucoup de temps libre. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre quelques trucs pour se défendre, n'ai-je pas raison? Bien, ben oui. Ouais. Un tournoi à Santa Marta? Ah oui, je vais concourir là-bas. Ouais. Ah donc, tu es déjà en compétition et tout? Oh, tu es un athlète extraordinaire. J'y vais. Mais non, je me défends pas trop mal. Mm-hmm. J'ai participé à de nombreuses compétitions chez moi. Tu peux demander à mon frère de te montrer mes médailles, tu sais. C'est mieux que tu me les montres toi-même. D'accord, bien sûr. Ouais. Et dis-moi à qui je dois m'adresser pour m'inscrire au cours et tout. Comment ça se passe ici? Je suis perdue. Ah, attends, il faut que tu te rendes à l'administration. Oui. Je t'accompagne. Hein? On y va. Est-ce que tu as bien réfléchi à ce que tu vas faire? Si j'avais bien la tête sur les épaules, je ne serais pas dans cette situation, maman. Mais bon, je ne veux pas faire pitié. Tu as déjà quitté l'école. Tu as abandonné la boxe. Et maintenant, tu veux également nous quitter. Ben, ça dépend de toi. Parce que si tu me rappelles tous les jours que j'ai fait n'importe quoi, que j'aurais pu l'éviter, ben, je préfère aller vivre avec papa. Écoute-moi. Personne ne va te gronder dans cette maison, d'accord? Hmm? Et comment pourrais-je? Moi, à ton âge, j'avais déjà deux garçons, donc. Ce qui me rend triste, c'est de te voir abandonner tes rêves, ma chérie. C'est triste. Plus que quiconque, je t'ai vu te battre pour pouvoir boxer. Bah, comme on dit, ce qui est fait, hein? Maman, rends-moi service. Hmm? Tu pourrais ranger ces gants quelque part où je ne les verrais pas. J'ai besoin de calme et de paix afin de mettre mon enfant au monde. Et puis, je ne vais rien accomplir. Hmm. Je ne serai plus jamais comme avant, donc ça ne sert plus à rien. Est-ce que tu as suivi mon conseil? Est-ce que tu as parlé avec Julio? Pour parler de quoi, hein? Comment ça, pour parler de quoi? Tu es enceinte, ce type doit assumer ses responsabilités. Arrête, maman, tu ne m'as pas écoutée. Mon Julio doit déjà être loin et il a des objectifs, je ne peux pas lui faire ça. Et pourquoi pas? Il devrait aussi assumer les conséquences de ses actes. Julio et moi, on s'est quittés, c'est terminé. Il doit être loin, mais même s'il vivait ici, j'irais pas le chercher. Non, je peux me débrouiller toute seule pour élever ma fille ou mon fils, tu sais. Et puis j'ai tout ce qu'il me faut. Écoute. Crois-moi. C'est comme ça que j'ai fait face à la vie, maman. En restant forte. Ma fille, ça me fend le cœur de te voir comme ça, tu sais.
de te voir traverser ça. Et tu sais, je me sens si coupable. Car c'est l'exemple que je t'ai donné. Non, maman, ne culpabilise pas. Tu n'as jamais été une mauvaise mère. Au contraire, tu as toujours été un exemple pour moi. Tu as toujours été là pour moi, pas vrai? Il n'y a pas un jour où tu m'as laissée seule. C'est vrai que tu me grondais quand je faisais des bêtises, mais tu veillais sur mes frères et moi. Alors ne crois pas que c'est de ta faute parce que ce n'est pas du tout le cas. D'accord? Ne t'inquiète pas pour moi parce que je suis une grande fille. Oh, ma chérie. Il y a des choses que tu comprendras lorsque tu seras maman. Parce que oui, tu peux bien avoir grandi et être devenue une jeune femme, mais tu seras toujours mon bébé. Tu m'entends? Tu seras toujours mon petit cœur. Ça doit être... C'est sûrement Jenny. Ne t'inquiète pas, je vais lui ouvrir. Mais bon, maman, tu sèches tes larmes, d'accord? Mm-hmm. Reprends-toi. Bonjour. Bonjour. Hey, ta mère est là? Oui. Vous pouvez me rendre une faveur? Ma mère s'ennuie et déprime. Vous pourriez me rendre un service et l'emmener faire un tour pour la mettre de bonne humeur? Bien sûr. Bonjour. Je vous laisse. Comment vas-tu? On y va? Oui. Monsieur Johnny! Hé! Dites-moi clairement qu'est-ce qui s'est passé, je ne comprends pas. J'attendais à Buenaventura et aucun bateau ne m'attendait pour m'emmener aux États-Unis. Je suis complètement perdu. Cet homme s'est avéré être un rat, il m'a piégé. Vous avez tout à fait raison, car ce Johnny s'est avéré être un escroc. Et il n'est même pas revenu ici, monsieur. Vous vous fichez de moi, je fais quoi là? Et c'est qui va me ramener en fait? Eh bien, c'est une très bonne question. Mais bon, c'est à lui qu'il faut la poser, pas à moi. Parce que tu lui as donné des sous, n'est-ce pas? Il ne m'a rien donné. Non, bon sang, parlez-moi clairement. Ouais, parlez-moi clairement, je ne comprends rien à cette histoire. Qui va me rembourser cet argent? Répondez-moi, qui va rendre ce qu'on m'a pris? Ce n'est pas possible ce qui m'arrive. Monsieur, le type est venu, il a déserté cet endroit avec 2 mois de dette, le propriétaire le cherche, et vous n'êtes pas le seul. Et puis, si ça peut vous consoler, beaucoup de gens se sont fait avoir. Eh bien dans ce cas, dites-moi où est-ce que je peux le trouver, ce salaud? J'ai besoin de mon argent. Mon argent ne peut pas se perdre ainsi. C'est tout ce que je sais, monsieur. Excusez-moi. Et attendez, mais... Et je fais quoi maintenant? Et mon argent dans cette histoire? Pourquoi on me laisse comme ça sans me donner d'explication? Je comprends tes décisions, tu sais, Ingrid. Mais ça me fait mal au cœur que tu aies abandonné ta carrière de boxeuse ainsi. Je me suis fait beaucoup d'illusions, alors que j'avais de l'espoir pour toi. Mais vous savez, c'est moi qui ai le plus mal au cœur. Mais bon, si vous voulez vraiment m'aider, s'il vous plaît, n'en parlons plus. Je ne vais rien gagner à me tourmenter encore plus. Mais tu sais, mon intention n'est pas de venir te déranger, d'accord? C'est juste qu'on parle de boxe tout le temps, du ring et des gants. Et la vérité, c'est qu'en dehors d'être un entraîneur, je suis aussi une personne et j'aime bien entretenir des amitiés. Surtout avec des personnes spéciales, comme toi, et j'espère que tu le comprends. Alors si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Merci beaucoup. Je sais bien que vous êtes mon ami et une excellente personne. Et je veux vraiment profiter de cette occasion pour m'excuser auprès de vous parce que je sais que vous aviez des projets d'avenir avec moi. Vous imaginiez un tournoi et une compète, mais là j'ai l'impression de vous laisser tomber. Mais c'est la vie et j'ai commis une erreur, pas vrai? Mais non Ingrid, non. Ta grossesse n'est pas une erreur. Ce n'est pas vrai. Je me souviens des paroles de mon professeur, M. Manuel Vivero, qui m'a dit que la vie est comme un coup de poing que tu te prends en pleine face lors d'un combat de boxe. Et tu dois savoir comment bien le prendre. Tu dois encaisser même si c'est dur. Je suis vraiment ravie que vous preniez les choses comme ça, coach. N'oublie pas ma nourriture, hein? Et emballe-la pour moi, j'attends ici. Moi, je n'oublie rien. Hé, il y a des citrons. Jamais. Vous en voulez avec, non? Bien sûr! Bien. Très bien. Yuri! Tu dois tirer plus sur tes muscles, entendu? Je sais pas, mais je crois que je ne me suis pas assez échauffée aujourd'hui, Monsieur Tonio. Bien, nous allons continuer avec le yoga. Yoga? C'est quoi ce truc? C'est une technique populaire que la plupart des athlètes utilisent, Yuri. Écoute-moi, cela t'aidera à te détendre, à éviter pas mal de blessures, et surtout, contrôler ta respiration. Eh bien, à vous de jouer, monsieur. Je suis partante, bien. Donc allons-y. Bien, bah faisons-le. C'est parti. Bonjour.
Je vous dérange ? Professeur Mazuera, nous n'avons pas terminé notre session d'entraînement pour aujourd'hui. Écoutez, je vous présente mon coach. Voici le professeur Tonio Cortez, il m'entraîne. Oh, enchanté. Miguel Mazuera. Bon, en fait, le professeur Mazuera est l'un des professeurs de mon université. Il est là parce qu'il veut m'interviewer et on n'a pas pu le faire la dernière fois. Ah, une interview ? Yuri ! Ils vont te rendre célèbre très rapidement. Oh, coach. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est déjà bien célèbre à la fac et très respectée. Monsieur, je vais vous demander une seule chose, de ne pas la laisser perdre sa concentration. Parce que nous nous préparons déjà pour les Jeux de 2006. Eh bien, si elle est aussi performante à l'entraînement qu'à l'école, je ne pense pas qu'elle perdra sa concentration. Bon, j'espère que vous le direz dans votre interview. Yuri Alvear ne perd jamais sa concentration. Je vous la laisse. À plus. Au revoir. C'est une championne départementale, nationale, et aussi médaillée aux compétitions d'Armenia et de Pereira. Et pour ne citer que quelques triomphes, que réserve encore Yuri Alvear ? Ben, en ce moment, je me prépare pour les compétitions. Les compétitions de 2006 qui auront lieu à Cartagena, monsieur. Et parle-nous un peu de ta famille. Eh bien, ma famille, en vérité, elle est petite. Elle est composée de ma mère, qui est une femme très dévouée pour sa famille, pour laquelle je remercie Dieu chaque jour. De mon papa, qui est un gentil homme qui travaille dans la construction. Et pour finir, de mon frère Norbé, qui est un fou, mais qui a un an de plus que moi. J'ai l'air plus grande que lui, mais il a un an de plus que moi. C'est bien la police ? C'est un citoyen très concerné qui collabore avec le système judiciaire. Eh oui, j'appelle pour signaler une grosse cargaison d'armes. Je sais où sont les armes. Oui, un fusil à longue portée. Et vous me demandez quel est mon nom ? Dites-moi, y a-t-il une récompense si je donne cette information ?